Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur les raisons pour lesquelles l'extrême droite et certains mouvements ouvertement fascistes grimpent en Belgique, notamment euh, en Europe je veux dire, et notamment en Belgique euh, au nord de mon pays, pas au sud. Et je pense qu'il y a des leçons importantes à en tirer, déjà parce que en fait les sondages électoraux euh, n'avaient pas vu euh, ce triplement des voix des fascistes flamands, qui sont devenus euh, carrément le deuxième parti en Flandre. Le premier est un parti euh, nationaliste, euh, ultralibéral, de droite extrême et raciste, qui a préparé euh, la voie à ce parti euh, fasciste qui, euh, il y a quelques années, avait dégringolé et qui maintenant fait un comeback effrayant. Et ça n'avait absolument pas été vu par les sondages. On prévoyait une certaine montée, mais pas autant. Les gens qui étaient sur le terrain menaient l'alerte, mais dans les médias, non. Et en fait, je crois qu'il y a une explication dans, justement, j'ai appelé ça l'extrême droite 2.0, dans leur stratégie Internet et dans ce qu'on qu appelle les dark posts. L'Internet souterrain, secret, on va en parler. Euh, je crois qu'il y a deux points à traiter par rapport à, à l'extrême droite et au mouvement fasciste ou fascisant. D'une part, le, leur vision du monde, leurs idées racistes. Le problème étant qu'ils les diffusent de plus en plus ouvertement et surtout, elles sont reprises de plus en plus par les partis traditionnels. On a vraiment une course à qui sera le plus à l'extrême droite et de plus en plus raciste. Donc, on va analyser ça, on va analyser la, la vision du monde de ces gens et ensuite, on va analyser leur stratégie Internet parce qu'il y a, je pense, beaucoup de leçons à en tirer. Alors, je vais le faire à, à l'aide d'un bouquin qui, vient, qui est paru il y a quelques mois en néerlandais, New Rex de Ico Mali, euh, chez l'éditeur flamand EPO. Ce n'est pas la couverture la plus top, mais le contenu est vraiment formidable. J'aurais bien aimé avoir Rico Mali avec moi, mais malheureusement, il est en déplacement pour des conférences. Il est fort demandé euh, en Hollande notamment. Et donc, je vais m'appuyer sur euh, des extraits de son livre qui semblent très, très importants. Euh, en fait, dans le livre, il analyse les fascistes flamands, l'extrême droite française. Euh, l'Italie, mais il donne une place très très importante à Trump, et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que Trump a révolutionné la manière de faire de la communication politique. Bon, il y avait eu Obama avant lui qui avait beaucoup euh, joué sur Internet, mais Trump a poussé ça d'une façon très très euh, intelligente, on va le voir. Donc, c'est un bouquin très très euh, passionnant. Et si on analyse le, la vision du monde qui est commune au-delà de certaines différences locales entre ces groupements d'extrême droite et Trump, on voit qu'en fait il y a une une théorie, une lutte contre l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a une vision du monde, une théorie qui est basée sur l'inégalité. C'est naturel, c'est bien, il faut. Euh, pas à lutter pour, contre les, les inégalités, pardon au contraire. Et donc, euh, mali dans son analyse, repère, euh, il s'est tapé tous ses bouquins là, euh, et il repère une triple identité contre la, la Révolution française, contre liberté, égalité, fraternité de 1789. Et en fait, il montre que ces mouvements euh, fascistes et d'extrême droite veulent lutter non seulement contre. Euh, la génération mai 68 et tout ce qu'elle a apporté, mais aussi contre l'idée même de, de l'égalité défendue par la Révolution française. Trois inégalités justifiées chez eux. Un, l'inégalité culturelle et raciale. On ne parle plus ouvertement de racisme biologique, ça, ça fait mauvais genre, encore que, mais on souligne qu'il y a une grosse différence culturelle entre nous. Et les autres. Ça, c'est le raisonnement de base, nous et les autres. Et évidemment, tout est tourné vers le fait que l'islam est une euh, religion politique et violente, et que donc il faut absolument un, un, un stop, un arrêt de cette immigration qui serait dangereuse. On ne peut pas, dans cette théorie, mélanger les cultures chacune doit avoir son territoire, chacun chez soi. Et donc voilà, on, relang, on remet discrètement à la mode la notion de race, mais cette fois-ci comme une réalité biologique. Une deuxième euh, inégalité, pardon, c'est euh, l'inégalité entre hommes et femmes, vue comme le, la base d'une nation saine, et donc toutes les théories et les attaques contre les féministes, les attaques euh, misogynes, des jeux vidéo, etc. La théorie de ça c'est que l'homme, je cite, c'est la vérité, la lumière, le soleil, la virilité et la stabilité, tandis que la femme n'a pas d'âme, n'a pas d'ego, que sa vraie nature c'est de vivre pour les autres. Et voilà ça se serait selon ces gens-là, et notamment des théoriciens comme Évola, ça serait une hiérarchie naturelle entre l'homme et la femme, L'homme est le sexe dominant, il doit s'occuper de la femme, mais c'est lui qui domine, c'est lui qui dirige. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est quand même un peu vieux, c'est tout à fait marginal. Eh bien, en Belgique, on a eu une montée de toutes ces idées, avec notamment un certain Dries van Langenhove, dont je vais vous parler, qui a été une tête de liste de. Des listes fascistes du Vlaams Belang. Il avait pourtant été dénoncé euh, par une émission de la télé flamande il y a quelques mois pour des images complètement euh, racistes et sexistes, voire hitlériennes. Euh, vous avez euh, ici par exemple un de ces euh, fidèles qui pose devant la Tour Eiffel à Paris exactement comme Hitler l'avait fait. Et euh, mais on va revenir sur ces, cette stratégie de communication de ces gens-là. Je parlais de l'inégalité homme-femme, et voici, tenez-vous bien, euh, un des, euh, des mêmes, des images diffusées par, discrètement par euh, ces gens du Vlaams Belang et de Dries. Euh, si vous êtes une jeune femme en surpoids, vous vous placez de vous-même, hors de la société. Euh, D'ailleurs, en tant que société, nous n'exigeons pas beaucoup euh, de la part des femmes, être une bonne mère et se soigner, avoir une bonne apparence. Euh, aux hommes, par contre, on impose des standards, des règles plus euh, élevées et c'est seulement ainsi que nous pourrons aller de l'avant. Donc, vous voyez, on a du mal à croire qu'en 2019, on en est encore avec euh, ces idées-là, mais ça fait partie l'inégalité homme-femme fait vraiment partie de la base de leur doctrine et le troisième plan de l'inégalité dans tous ces, théori ces théoriciens et politiques c'est l'inégalité sociale qui serait naturelle et donc il faut absolument pas de démocratie et de droit de vote généralisé parce qu'en fait c'est une attaque contre la nation euh, bon maintenant évidemment on peut pas ces gens-là peuvent pas ouvertement euh, se tourner contre le droit de vote, donc ils jouent le jeu, mais en fait, dans leur conception, euh, est la nation euh, au-dessus de la démocratie et le bas-peuple, le peuple ordinaire, doit simplement travailler, exécuter, mais certainement pas penser et diriger. Et donc, c'est une, une euh, carte blanche, un feu vert total donné au capitalisme et à... Son développement de l'inégalité et il y a une opposition donc très forte euh, inégalité des races, inégalité homme femmes, inégalité sociale. Ça c'est très bien expliqué comme euh, base de leur doctrine. Je ne vais pas développer beaucoup aujourd'hui parce que il y a pas mal à dire dans ce bouquin. J'ai envie de parler des stratégies de communication. Juste une chose. Ce livre, je l'ai trouvé absolument passionnant. J'aimerais bien qu'on puisse le traduire et le publier chez euh, Investigation, avec une meilleure couverture peut-être. Mais euh, pour ça, on a besoin d'un peu renforcer nos équipes de, de relecture et de correction des livres. On a déjà une série de bons livres au programme. Nos forces ne sont pas suffisantes, parce que quand vous publiez un livre, il faut... Il euh, y a tout un travail de préparation des traducteurs, ça on a, mais de relecture, de correction, d'affinement. Et donc, euh, écrivez-nous à michelmidi.investigation. Euh voilà, je vous ai montré l'adresse, je la remontrerai à la fin. Écrivez-nous si vous avez la possibilité de nous aider. Mais j'insiste, c'est un, un vrai métier, c'est une vraie spécialité. Il ne suffit pas d'avoir une assez bonne orthographe, etc., et de se débrouiller. C'est euh, un vrai métier. Donc, euh, il faut déjà avoir un, de l'expérience. Et euh, euh, vraiment, il bon, y, y a certaines dispositions qu'il faut pour faire ce travail-là. Voilà une première euh, chose que je voulais dire. Mais on va creuser sur Trump, parce que c'est vraiment de Trump qu'il y a beaucoup à apprendre. J'avais euh, dans le livre Le Monde selon Trump, euh, écrit euh, chez Investigation avec Grégoire Lalieu, j'avais analysé la méthode, enfin analysé, j'avais décrit brièvement la méthode spécifique de Donald Trump, euh, qui s'était appuyée sur Cambridge Analytica. Vous vous souvenez peut-être, on avait parlé de ça. C'est une société possédée par un milliardaire américain qui s'appelle Donald Mercer. Et il avait analysé les données de marketing et de profil psychologique sur 230 millions de citoyens des États-Unis. Et sur cette base, on génère des publicités individualisées, diversifiées, pour s'adapter et flatter dans le sens du poil euh, ce public-là. Et donc, euh, l'équipe de Trump a diffusé pendant toute sa campagne des dizaines de milliers de publicités différentes par jour, seulement visibles pour les profils par lesquels elles étaient conçues. Et là, on a déjà une petite idée de pourquoi tout ça passe en dessous des radars et en dessous de la, euh, de la vision des, des médias. Euh, Ikomali analyse bien la, la manière dont Trump a pu construire son succès, si vous vous souvenez. Il était, euh, c'était surprenant, les médias n'avaient pas pu venir, pas pu venir, pardon, les euh, analystes euh, politiques non plus. Et en fait, euh, Trump, il a gagné sa campagne sur Internet. Il refusait d'aller dans les médias traditionnels ou le moins possible, et il a gagné grâce à Facebook. Il l'a dit d'ailleurs. Sans Facebook nous n'aurions jamais gagné. Et donc, comment ça a été possible, le phénomène Trump Parce qu'après, c'est quelque chose qui se réédite avec le Brexit, avec la montée des fascistes qui ont étudié la méthode Trump en Belgique et dans d'autres pays. Et donc, on a bien intérêt à la comprendre. Euh, en fait, il y a un moment critique qui est né aux États-Unis en 2016-2017 et qui vient aussi dans nos pays. Un moment critique qui présente trois euh, crises. Premièrement, il y a une nouvelle technologie révolutionnaire, le développement de Facebook, de Google, la, la commercialisation de tout ça, qui en fait mine le système classique des médias. Deuxièmement, le contenu du système des médias existants est de plus en plus discrédité et vu comme illégitime. Et ça, on y est en Europe aussi. Et troisièmement, il y a une crise politique fondamentale qui fait que les partis traditionnels, les autorités habituelles, n'ont plus de légitimité et l'ordre a du mal à fonctionner. On a vu ça aux États-Unis, avec cette énorme division d'élite. On voit ça en France avec Macron. On voit ça en Belgique ou dans les élections dont je viens de parler, les partis traditionnels, libéraux, chrétiens, socialistes, ont fait faillite. Ils perdent tous énormément de voix et c'est assez logique. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Au bout d'un certain temps, les gens n'ont plus envie de les croire. Et donc, Ikomali souligne que cette victoire de Trump, c'est justement l'utilisation de ces trois facteurs, une nouvelle technologie des médias, une crise des médias classiques et une crise politique qui permet de construire un autre public, un autre électorat. Et donc, la communication de Trump, les analystes, les médias, les observateurs habituels, les experts, se sont beaucoup moqués en disant que c'était un clone, qu'il n'était pas sérieux, que ça ne pouvait pas marcher. Et puis ça a quand même marché. Et donc en fait, ce qui, ce que Iko Mali souligne, c'est qu'ils n'ont pas vu que la communication de Trump était très rationnelle. Elle avait l'air super amateur, avec ses majuscules, avec des trucs qui avaient l'air un peu enfantins. Et ça faisait, ça créait une impression. Voilà, je suis quelqu'un comme vous, je suis un amateur, je ne fais pas partie de l'élite. Je suis quelqu'un qui euh, fait, tue un peu n'importe comment, etc. Et en réalité, comme Ali faut observer, qu'il y avait des équipes de marketeurs derrière Trump qui organisaient tout ça justement pour qu'il ait l'air d'être anti-establishment et que les gens aient l'impression que c'était quelqu'un comme eux, qui avait une communication personnelle directe, ils avaient un lien direct avec ce bonhomme et que donc il était sympa. Euh, Trump a même réussi à faire oublier qu'il était milliardaire, donc vraiment il faisait partie de l'élite. Et qu'il avait bénéficié du système précédent. Il a retourné ça en disant euh, Je suis milliardaire, donc je n'ai pas besoin de l'élite, je n'ai pas besoin de l'argent, je fais ma campagne tout seul. Et donc, ça a été très, très malin. Et en fait, Trump a réussi à, à changer les règles du jeu politique. D'habitude, entre républicains et démocrates, ou entre partis centre-gauche, centre-droite en Europe, on cherche l'électeur du centre parce qu'on pense que c'est celui-là qui va faire la différence et qui va. Euh, permettre de l'emporter sur l'autre le, camp. Chacun a son public stable et fixe des gens qui votent toujours à droite, des gens qui votent toujours à gauche. Et donc on va pêcher les voix au centre et on prend un discours un petit peu fourre-tout, un petit peu ramasse-voix. Et Trump a fait tout à fait le contraire. Et il s'est adressé à un public différent. Il s'est adressé au angry white man, l'homme blanc en colère. Et il a visé les gens qui étaient un peu cutcutchland, un petit parti, un peu la majorité silencieuse. Ce n'est pas forcément des gens qui sont tous dans la pauvreté, mais c'est des gens qui ont peur de ce que l'avenir leur réserve, qui ont peur de tomber dans la pauvreté, de ne plus avoir bouclé à la fin du mois, de peur de l'immigration, peur de la menace climatique, l'angoisse de l'avenir en général. Et voilà, il s'est adressé à ces gens-là. Il a été aidé par des blogs et toute une, commun une communication de blocs qui s'adressent à des publics et à des niches spécifiques, qui s'adressent pas à tout le monde. Et Ikomali relève, en s'appuyant sur les études sociologiques, que l'homme blanc en colère, ben il va tout seul là euh, sur Internet, il épanche euh, il il sa rage, il diffuse des commentaires agressifs, misogynes, etc. Il se défoulent, il, il défoule. attaque les féministes, il attaque les syndicats, il attaque les progressistes, les journalistes, etc. Et donc, euh, Trump a vraiment visé spécifiquement ces publics-là, et ce n'était pas un clone, voilà, c'était un clone extrêmement dangereux et intelligent. Voilà des, des remarques que j'ai trouvées très intéressantes. Iko Mali euh, souligne que donc Trump a recouru à des dark posts, c'est-à-dire des posts qui ne se voient pas sur Internet, qui ne sont pas débattus par tout le monde, parce qu'ils s'adressent spécialement à un public précis. Et donc, je parlais de de cette communication qui fait très amateur. Mais voici un exemple d'un tweet de Trump, euh, typique de son goût. Euh, si Hillary Clinton n'a pas pu satisfaire son mari, qu'est-ce qui fait qu'elle pourra satisfaire l'Amérique Voilà, c'est la campagne euh, en dessous de la ceinture. Ça a l'air complètement amateur. Un homme comme les autres par rapport à une partie de son public. Et c'est vraiment cette image-là qu'il veut, qu veut donner, l'idée que c'est un homme comme tout le monde, un amateur, qu'il n'y a pas de marketing là derrière, et établir un, un contact personnel avec, euh, avec les gens. Voilà, il y a énormément de, de remarques très intéressantes dans ce livre, donc j'aimerais bien qu'on arrive à le traduire. Et voilà, euh, Ikomali souligne qu'il hum, a fait une communication personnalisée vers un public précis et le Vlam's Block a fait ces, euh, ces choses-là aussi chez nous. Euh, le Vlam's, euh, Vlam's Blok c'était son ancien nom, a fait effectivement le même genre de, de communication et là euh, on a des mêmes, euh, j'en avais montré un ici, voilà, vous avez euh, ça, il ne diffusait pas au grand public évidemment. Mais il diffusait des choses absolument dégueulasses, comme une photo posant avec Hitler, comme un grand spécialiste du fitness avec une croix gammée. Au milieu, là, vous voyez comment attraper des poulets juifs, et donc c'était une allusion au four crématoire et aux cendres, et des trucs vraiment répugnants pour leur public. Et puis il y en a d'autres que j'ai ici que je n'ai pas eu le temps de vous mettre sur écran. Il passe une image de Walt Disney. Si vous regardez euh, euh, le, le dessin animé Cendrillon de l'arrière, on montre Cendrillon en train de faire le ménage et de tremper son torchon dans le seau. Et voilà, c'est à propos d'une femme, disent-ils, qui apprend à tenir sa place. Et puis il euh, y a un truc, une image de Hitler à la rigolote. Vous ne pouvez pas être raciste s'il y a une seule race. Donc. Euh, tout des, toute une communication de ce genre euh, de très mauvais goût, destinée à un public bien précis. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en Belgique, la communication sur euh, Internet, ici vous avez euh, l'image que j'ai montrée sur Hitler, ici vous avez euh, le Dries van Langenhove qui a fait un tabac dans sa campagne électorale sur les images du Vlaams Belang. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le Vlaams Belang, a été le parti qui a dépensé le plus gros budget sur Facebook en Belgique, 415 000 euros pour sa campagne Facebook, dont 126 000 euros dans la dernière semaine. Et le numéro 2 était la NVA, l'autre parti d'extrême droite euh, raciste et radicale de la NVA, qui a dépensé 168 000 euros. Et donc, c'est important parce que il y a une alliance européenne de toutes ces forces. Ici vous avez madame Le Pen avec l'autre grand raciste Salvini en Italie qui mène sa campagne sur le thème stop à l'invasion. Madame Le Pen a été euh, appuyée à la campagne du Vlaams Belang stop à l'immigration ici on le voit avec le, le porte-parole du parti fasciste flamand et ici on voit comme j'ai montré leur campagne contre l'islam et leur campagne complètement raciste. Et on a euh, notre euh, ministre euh, de l'expulsion des réfugiés, Théo Franken, qui est un des dirigeants de ce parti, la NVA, avec à sa droite le fameux Dries van Langenhove et son euh, mouvement nazi. Donc il y a euh, un flirt total et Franken, en n'arrêtant pas de dire que les réfugiés étaient un grand danger, qu'il fallait les expulser, a fait en réalité la promo ouverte du parti fasciste avec lequel il s'entend très très bien. Alors, la question sur laquelle je voudrais venir maintenant, c'est la stratégie par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on va faire et, et la question se pose d'autant plus fort, je l'ai dit, que en Belgique, un parti ouvertement fasciste et un autre qui flirte, qui flirte avec ont, atteint quasiment, ont rassemblé quasiment un électeur sur deux, donc il y a une alerte. Et en France, le RNFN est devenu euh, le parti numéro un, et Mme Le Pen euh, s'entend très bien avec le Lanzbelang, comme on vient de le voir, et avec Salvini. Et donc, on a un problème. La gauche en France, bon, ce qu'on va appeler la gauche, le PS, je ne sais pas s'il mérite encore ce nom en France, mais euh, ils font à peine 18% tous ensemble. Euh, la France insoumise est dégringolée à 6%, donc elle aura il y aura un, un bilan à faire et une analyse stratégique. Comment est-ce qu'on va s'en sortir Et là, je voudrais euh, relever une chose. Je crois que puisque la question de l'immigration est au centre de la euh, campagne de peur, de haine, euh, moi j'ai ici... Euh, Papier diffusé dans nos boîtes aux lettres par ce parti fasciste, stopper l'immigration et on fait comme si tous les problèmes venaient de l'immigration et que à cause de ça il y a euh, la pauvreté, l'islamisation et la criminalité. On a toute une propagande ici comme celle-là également ou avec des dessins complètement racistes qui présentent la société envahie par des musulmans et le tchador est complètement euh, perverti, la pureté de la nation serait perdue par ces choses-là. La peur, par cette invasion, la peur des migrants a été très très bien traitée dans le livre La peur arme politique que Investigation vient d'éditer. C'est un livre de Robert Charvin. Il analyse extrêmement bien euh, comment on a joué sur les peurs de l'étranger, du non-chrétien. Euh, tout au long des siècles et comment ça a toujours été un pouvoir de l'élite euh, possédante et de l'élite qui euh, opprimait la, la population pour justement faire diversion des vrais problèmes je crois que c'est ça euh, qu'on a qu'on doit mettre en avant cette hypocrisie des fascistes qui font comme si le problème était du fait qu'il y a beaucoup d'immigrés sans poser la question mais qui fabrique ces mouvements massifs de migration qui produit des millions de migrants et là je voudrais maintenant creuser ce point-là parce que on a une très très grande hypocrisie ceux qui me suivent savent que en 2011 j'ai pris position contre la guerre en Libye en disant que ça allait détruire ce pays le mettre aux mains des terroristes avec lesquels l'OTAN collaborait, ça s'est confirmé, et que j'ai dit aussi que ça allait provoquer une énorme vague de migration vers l'Europe, parce que à l'est de l'Europe, les mafias et les tribus sur lesquelles Sarkozy, Obama, le gouvernement belge, Cameron pour la Grande-Bretagne s'appuyaient, c'était justement les mafias qui organisaient le trafic de la main d'œuvre vers l'Europe. C'est contre ça que Kadhafi essayait de s'opposer, mais il n'avait pas le contrôle de cette région. J'ai lancé l'alerte, on va avoir énormément de terrorisme et énormément de migration à partir de la Libye. Ça s'est exactement confirmé. Donc, après que j'ai dit ça à la télévision une ou deux fois en 2011, j'ai été complètement censuré de la télévision. Il faut revenir sur ce qui s'est passé en 2011. Et là, j'ai pris euh, les documents de la Chambre en Belgique. Il y a eu un débat sur euh, la question de la guerre contre la Libye. En fait, que s'est-il passé Tous les partis ont voté pour la guerre en Libye. Euh, pourtant, on avait un gouvernement en affaires courantes, il n'était plus majoritaire. Le porte-parole du PS, Patrick Morio, a dit, euh, nous engageons en tant que Parlement tout l'État. Le NVA et le Belang, euh, ici, ont... Voté à fond pour la guerre, le NVA et le Vlaams Belang ont voté pour la guerre contre la Libye en répétant tous les mensonges et les médias mensonges qui étaient expliqués à cette époque-là, et donc ils sont responsables. Quand Franken nous dit, le ministre de l'expulsion des réfugiés en Belgique pendant quatre ans, quand Franken nous dit, euh, il y a trop de réfugiés en Belgique, mais c'est lui-même qui a provoqué l'avenue de millions de gens ici en Europe. Bon, il exagère les chiffres, c'est des centaines de milliers, mais c'est lui-même qui en est directement responsable et le Vlaams Belang avec. Et d'ailleurs, Franken a dit euh, dans ce débat il y avait beaucoup d'hypocrisie, on a dit oui, c'est une zone d'exclusion aérienne, on va envoyer quelques, quelques avions, on va surveiller Kadhafi alors que le véritable plan était d'assassiner Kadhafi, de détruire la Libye et de prendre son contrôle. Et Franken, lui, parlait ouvertement d'une guerre contre la Libye. Le problème est que Écolo, aussi en Belgique, euh, ici vous avez euh, une parlementaire qui s'appelle Juliette Boulet, qui réclamait que l'OTAN aille encore plus fort, aille encore plus loin. Et donc euh, euh, Franken d'ailleurs lui a fait remarquer que ben Écolo devenait maintenant complètement contre l'OTAN. Et donc vous voyez on a un grand problème par rapport à cette unanimité pour la guerre. On doit montrer que en approuvant la guerre, vous fabriquez des centaines de millions de migrants et des centaines de milliers, excusez-moi. Et on doit montrer qu'en fait, il y a un double jeu parce que les partis de droite et d'extrême droite nous parlent contre l'immigration, mais le patronat, plus discrètement, veut de l'immigration, exige qu'on importe des immigrés. Dans le livre Je suis ou je ne suis pas Charlie, où je m'étais élevé contre l'islamophobie et la panique face aux vagues migratoires, j'avais cité un célèbre chroniqueur du Financial Times, donc c'est la presse ouvertement patronale, M. Caldwell, qui disait en Grande-Bretagne, c'est l'immigration illégale et non la légale qui fournit un filon économique, donc un grand revenu pour le patronat. Qualifié des parce qu'ils n'ont pas de droit, donc ils sont obligés d'accepter n'importe quel salaire, n'importe quelle condition de travail. Et donc, il écrivait dans le Financial Times, qualifier des immigrés de illégaux, ça ne fait que camoufler les avantages qu'ils fournissent aux employeurs, justement parce qu'ils n'ont pas accès aux réglementations en matière d'assurance et de salaire minimum. Il vaut la peine, économiquement, dit-il, d'avoir de tels immigrés uniquement s'ils vivent sous un autre régime politique, donc s'ils n'ont pas de droit sarkozy ne disait pas autre chose. il disait, il faut l'immigration choisie. c'est à nous de décider qui on va importer, quels immigrés conviennent à notre économie. merkel jouait les grands humanistes, mais en réalité elle obéissait au patronat allemand qui avait dit, il nous faut un million de jeunes main-d'œuvre pour équilibrer la balance de notre économie. voilà. ça c'est euh, des choses très importantes. je crois qu'on doit euh, tirer comme le son de cette montée de l'immigration. Et je voudrais remarquer, puisque j'ai posé la question « que faire ?», c'est quand même toujours ça qui nous tracasse, je voudrais euh, remarquer que tout n'est pas désespéré. Le Vlaams Belang a fait une campagne très intelligente, très réussie, en jouant sur la peur de l'immigration, mais il n'a pas fait que ça. Et au niveau d'autres partis, D'extrême droite ou fascisant en Europe, on a les mêmes stratégies, c'est-à-dire que le Vlaams Belang a aussi joué sur la frustration sociale de la population et il a repris des revendications de la gauche radicale du PTB. Le PTB demande depuis des années la retraite minimum à 1500 euros pour que les vieux aient au moins un revenu décent pour vivre. Ça a été repris par euh, le PS en Belgique, mais aussi par le Vlaams Belang. Vlaams Belang demandait aussi que on rabaisse l'âge de la retraite de 67 à 65 ans, qu'il y ait une baisse des factures des hommes pour vieux qui grimpent et qui sont vraiment euh, impayables, et une baisse de la, la TVA sur l'électricité qui était passée de 6 à 21%. Tous des points repris au programme du Parti du Travail, un parti communiste donc ici en Belgique. Et donc voilà euh, qui nous donne une indication que évidemment il faut parler à ce électorat qui vote Planlang ou rassemblement national et il faut montrer que en réalité on doit lire leur programme à fond il n'y a rien contre les multinationales, rien contre le 1% des super riches et donc ils disent qu'on défend les petites gens c'est faux. Quand on regarde leur programme économique ils vont aggraver, la dictature des grandes multinationales sur les petits gens. Et je crois donc qu'on a euh, besoin de faire ce travail. On a besoin de montrer que Marine Le Pen est totalement dans l'hypocrisie. Personne dans la presse ne cite une déclaration qu'elle a faite à un journal israélien en 2011 quand elle est allée dans ce pays-là. Elle a déclaré, euh, je traduis de l'anglais qui vient de ce journal, euh, le Front National a toujours été sioniste, a toujours été pour Israël. Euh, et en fait, elle a insisté, dit l'interview dans le Haaretz, pour qu'on sache que si elle a fait des commentaires anti-israéliens dans le passé, c'était un stratagème populiste pour gagner le soutien du public. Donc, vous voyez, on est dans l'hypocrisie totale il y a les choses qu'on dit pour gagner des voix, et puis il y a le véritable programme qu'on qu a. Voilà. Euh, J'ai regardé un, un petit peu euh, les questions, les remarques, les objections éventuelles qu'il y aurait. Euh, comment définir le fascisme dit Laurent. Je ne reconnais pas ce que vous dites. Ma définition de base repose sur le travail de Raymond Leron, de Hannah Arendt, etc. Euh, on va y revenir une prochaine fois. Personnellement, je pense que ces définitions de Aron, de Arendt et d'autres sont fausses sur le fascisme. Et pour moi, le fascisme, c'est le plan B euh, euh, du grand capital, c'est le plan B des multinationales pour imposer euh, leur plan à la fois à l'intérieur pour obliger les travailleurs à se soumettre à leur volonté, pour briser les forces de résistance et pour faire des guerres de conquête à l'extérieur. Donc euh, il faut étudier l'histoire, il faut étudier. Il y a des très bons livres de. Euh, Jacques Poels notamment, business avec Hitler. Euh, on en a parlé, euh, on reviendra là-dessus, mais je ne veux pas trop rallonger, je vais vous laisser le temps d'aller manger aussi. Euh, bon, beaucoup de commentaires et de discussions entre vous. Euh, je, ce monsieur Laurent-là me, euh, me conteste par rapport aux Vlams euh, Belang et aux fascistes. Euh, vous pouvez nous écrire, on continuera la discussion, mais je pense qu'effectivement, il y a besoin d'échanger clairement sur euh, ce que c'est. Une autre personne euh, dit, euh, ben justement, euh, j'aimerais bien que vous veniez dans le sud-est de la France où le FNRN fait rage et où le président de la région PACA est euh, un des euh, pires personnages de cette mafia politique. Très bien, oui, volontiers. On... On est tout à fait bienvenus pour faire des débats. Même Kadhafi avait mis en garde l'Europe qu'il y aura des milliers de réfugiés, absolument. Bien, euh, on va conclure aujourd'hui. J'ai encore deux, trois infos importantes. Euh, la première, nous avons un débat ici à Bruxelles le 12 juin sur le thème Les tabous d'Israël. Et je voudrais vous demander de mobiliser. De faire euh, connaître ça autour de vous. Vous imaginez que en titrant un débat les tabous d'Israël, on va encore se faire des amis euh, du côté du lobby qui n'existe pas. Voici l'affiche avec Thomas Suarez, auteur du livre euh, Comment le terrorisme a créé Israël, publié chez Investigation et que je vous recommande. Le débat. Je serai aussi dans le débat. Il y aura Julie Stendham, une militante du mouvement Intal pour le boycott, qui est à mon avis un point très important de la solidarité avec les Palestiniens et sur lequel, évidemment, on ne trouvera jamais le RN, FN et Marine Le Pen qui sont à fond pour le colonialisme israélien. Euh, une deuxième information importante, nous arrivons au papier. Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal, l'Internet, c'était le champ, le terrain de travail d'investigation, c'est un site, le papier, c'est trop cher. Ben non, on a décidé de tenter avec l'aide de mon ami Lucas, euh, une expérience sur le papier. L'autre info, c'est donc un mensuel que vous pouvez commander euh, sur Internet, sur notre site. Voici la mise en page et ce euh, mensuel papier rassemblera le meilleur d'Investigation et du site Le Grand Soir, qui est un site que j'adore à Paris, animé par Victor Dédage avec ses amis et ça va vous présenter tous les mois le meilleur de Vinci Actions et du euh, grand soir. Pourquoi venir au papier Eh bien, Internet est évidemment utile, je ne vais pas le nier, on a 146 000 amis sur Facebook, c'est clairement important pour rentrer en contact avec vous, mais je pense que le papier est quand même nécessaire parce qu'une étude récente a montré que quand on lit quelque chose sur Internet, on est sollicité toutes les 9 secondes pour aller sur un autre chemin, suivre un lien, une vidéo, une image d'un chat ou une bêtise de je ne sais pas quoi. Et donc l'attention est complètement détournée et on, est dans, on risque d'être dans le superficiel. Et je crois que le papier est nécessaire à la fois au niveau des livres, à la fois au niveau de la lecture. Moi, quand je veux étudier quelque chose à fond pour préparer un livre ou un article, ou Michel Midi, je l'imprime en papier. Euh, oui, recycler bien sûr, ok, mais euh, je l'imprime parce qu'on peut beaucoup mieux réfléchir et on peut beaucoup mieux se concentrer, ne pas avoir son attention distraite. On peut le, voilà, se concentrer. On, le papier est aussi un instrument intéressant si vous voulez discuter euh, autour de vous, euh, l'emporter dans votre sac, dans votre mallette et discuter au travail ou ailleurs avec euh, les gens. Donc voilà, on fait cette expérience papier. Vous pouvez vous abonner sur notre site. Euh, je, mardi prochain, je vais accueillir Mohamed Hassan, euh, l'auteur avec nous de la, du livre La stratégie du chaos, qui euh, viendra nous parler de l'Iran et des menaces que les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite font peser contre l'Iran. Où est-ce que ça va nous mener Avec Mohamed Hassan, vous savez déjà que vous allez avoir euh, certainement une analyse très profonde et très... Concrète. Et puis, une dernière, un dernier appel que je vais vous lancer. Voilà, c'est notre anniversaire. Je vous montre un tout beau gâteau bien appétissant, peut-être pas très diététique, mais bon, c'est prendre au second degré. Merci à Joël qui nous a fait ce beau dessin. Pourquoi un gâteau Eh bien, parce que Investigation fait ses 15 ans. Ça fait 15 ans qu'existe Investigation. Et donc, InvestiAction, c'est des milliers d'articles, des centaines de vidéos, c'est une maison d'édition avec une vingtaine de livres maintenant, ce sont des débats publics qu'on organise sur les questions qui fâchent, ce sont des reportages dans des pays en guerre ou agressés comme la Libye, la Syrie, le Venezuela, etc. Et nous voulons en fait faire encore beaucoup plus. Donc on peut être fier d'avoir euh, tenu euh, pendant 15 ans, mais la montée des dangers de guerre, la montée des dangers avec la, ces mouvements fascistes qui prospèrent nous interpelle. On doit faire beaucoup plus. On doit pouvoir euh, publier plus de vidéos, plus de reportages, certains livres qu'on n'arrive pas à faire. On doit organiser des débats qui vont vous donner la possibilité de devenir actif, investi, action, c'est un média participatif, on a besoin de vous, mais pour ça il faut l'organiser, et donc on est trop petit, on veut encore se développer, on veut avoir plus de production à vous apporter, on veut avoir plus d'impact sur les réseaux sociaux, et pour ça, on a toute une série de besoins que je détaillerai prochainement, mais voilà, donc ici, vous allez recevoir une newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous sur Investigation et confirmez votre inscription en allant vérifier dans les spams s'il le faut. Vous allez recevoir une newsletter qui circule aujourd'hui. Elle sera sur Facebook aussi. Federica va la poster. Et là, vous avez les différents moyens de nous soutenir. C'est très, très important. On ne travaille pas pour l'argent, mais sans argent, on ne peut pas travailler. Notre équipe est trop petite elle doit grandir. Et donc, vous avez ici la différente manière de nous soutenir par des dons mensuels ou ponctuels. C'est vraiment important pour qu'on puisse se développer. Euh, voilà. Euh, vous pouvez aussi tout simplement écrire à ma jeune collègue Federica at Je le recadre pour que toute l'image soit au complet. Euh, C'est vraiment important. D'être avec vous dans la bataille de l'info et de pouvoir en faire plus. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre, vos questions, pour vos intérêts, pour euh, le fait que vous nous faites connaître autour de vous. Et je vous donne rendez-vous euh, mardi prochain avec Mohamed Hassan sur euh, Investi Action, sur le Facebook d'Investi Action. Bonne semaine et bon combat pour la vérité dans l'information. Merci.